بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما جاء في حديث أبي رقاية كما جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. صلى الله عليه وسلم a bien dit, le hadith connu, que la religion c'est le conseil. Et dire pour qui au message d'Allah? Il dit pour Allah et pour son livre, pour son messager et pour les dirigeants des musulmans et pour les gens de leur masse. وكما قال تعالى إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. Il y a cette en cela une leçon pour les doués d'intelligence, ou dans d'autres ayat pour les doués de clairvoyance. نعم. Donc de là, j'aimerais tourner une nasiha pour mes frères, dans ce sujet qui touche à la hijra, sujet sur lequel nous donnons une importance primordiale, surtout en cette époque, car cette hijra est une porte, une issue de secours pour beaucoup d'entre nous parmi ceux qui vivent en pays de Kufr, et nos rahmas de notre Seigneur, Azza wa Jal, pour nous permettre de pouvoir mieux appliquer ce pourquoi nous avons été créés. Car cela en pays de Kufr est extrêmement difficile, voire presque impossible dans certains pays. Naam. Donc là, je tourne cette nasiha pour ceux qui ont l'intention ferme de faire ce qu'on appelle la hijra, qui est le fait de délaisser le pays de Kufr pour se rendre vers les pays d'islam. D'accord ? Je vise celui-là qui est décidé à partir et à ne plus jamais revenir tant que cela lui est possible. Car certains de mes chers, comme Cheikh Yahya Al-Hajouri, et comme le Hada, son cher, Cheikh Mokbil, eux, quand ils ont vu le nombre de difficultés que pouvait rencontrer le musulman en cette époque par rapport aux démarches pour changer de pays, ils lui conseillaient de partir avec une niyya de talab al-ilm en premier lieu, comme ça, si jamais il venait à être refoulé, à être rejeté et retourné dans son pays, il n'aurait rien sur lui. Pas de péché ou rien de cela. Donc il disait, tu mets une niyya de talab al-ilm, d'accord. Cependant, par la suite, une fois que tu es installé, que tu es posé, que les choses sont, alhamdoulilah, sont rassurantes, tu changes ta niyya. Car la hijra reste obligatoire pour celui qui peut l'accomplir, vivant dans un pays dans lequel il ne peut appliquer sa religion, l'extérioriser comme il se doit, comme c'est le cas par exemple pour la France, mia bil mia. Il y a d'autres pays, ce n'était pas comme cela, mais la France est parmi les pays les plus sévères, les plus oppresseurs sur notre nom de religion. Donc bien évidemment, ce conseil de ce machir, il a un wedge, il a un côté réel, on peut le nier. Quoi qu'il en soit, là où je vois que Mathalen, La chose est discutable, c'est lorsqu'ils disent que si jamais tu repars, on te refoule, tu n'as rien à te reprocher. Et à ça, à la base, même celui qui est muhajir et qui se ferait refouler, il n'a rien à se reprocher, car à la base, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Donc ça revient au même, au final. Celui qui était muhajir et qui arrive dans un pays où on l'a rejeté, on l'a refoulé, malgré lui, et qu'il a fait les causes, car ce n'est pas lui qui a décidé de cela, ce sont eux qui l'ont rejeté, donc le péché est sur eux et non pas sur lui. Donc il n'y a pas de différence. Donc autant
Maintenant, comme on dit, la différence qu'il y aurait entre les deux, c'est que celui qui n'a pas mis la niya de Hijra n'est pas compté comme étant muhajir, alors que celui qui a mis la niya doit repartir aussitôt, dès qu'il le peut. Quoi qu'il en soit, combattre une niya ou pas, cette Hijra reste obligatoire dans les pays comme la France pour celui qui est en mesure de la faire. Qu'il ait mis niya ou qu'il n'ait pas mis de niya, cette Hijra reste obligatoire. Donc on revient au même résultat. Bihasma yazharli. Donc là, certaines nasiha, muhtasara, basées sur ma propre expérience, de ce que j'ai pu voir, des erreurs que j'ai pu avoir commises moi-même, ou que j'ai pu voir certains de mes frères commettre également. Et surtout au début. Car une fois que, alhamdoulilah, comme on dit, la machine est lancée, elle umur, yani tatayassar, elles sont facilitées. Mais surtout au début, c'est très difficile. Donc là, j'aimerais donner quelques directives, comme je l'expliquais, basées sur mon propre vécu. Non, donc ce n'est pas là, on va dire, un sujet ilmi ou quoi, c'est un conseil de frère à ses frères. D'accord? Ce que je dis là n'est pas dans l'absolu. Il y a des choses qui sont toujours, qui peuvent être, avoir des exceptions, des choses qui peuvent être, avoir besoin de plus de détails, ainsi de suite. Là, c'est un kalem, on va dire un moujmel, bihasb ibrati, fi hadha al-bab. Donc, en premier lieu, comme je dis, celui qui part, qui compte partir, qui met une niya. J'avais déjà fait une muhadara par rapport au sujet-là, qui sont les vrais bagages pour la hijra. D'accord? Je ne vais pas ouvrir ce sujet-là, c'est un autre sujet dont on parle, avec les adillah, car trop de gens placent leur vision de la hijra sur une vision matérialiste. Tayyib. Donc, en premier lieu, que celui qui compte partir définitivement, je lui conseille en premier lieu de tout délaisser derrière lui. C'est-à-dire, il part avec une niya ferme de ne pas revenir, c'est-à-dire il laisse tout ce qui est son appartement, s'il a une voiture, il la vend, s'il a un compte en banque, il le ferme. Ce qui est une chose qui le forcera encore plus à ne pas revenir par la suite, car des gens ont été malheureusement éprouvés par cela, ils sont partis en laissant des appartements, des voitures derrière eux, et ça a été une cause pour les faire revenir. L'appartement problème avec le propriétaire, voiture problème avec Casa et Casa, les amendes ou je ne sais quoi, compte en banque, je ne sais quoi, ça a été des choses qui les ont contraints à revenir. Donc toi, tu pars en ne laissant rien derrière toi comme cause te poussant à revenir. Si tu as des papiers à faire, fais-les. Tout ce que tu as à faire, fais-le avant de partir, tant que cela t'est possible. D'ailleurs, j'ouvre la porte là par rapport à, par exemple, ceux qui sont célibataires et qui sentent en eux un grand besoin de se marier. Je les conseille à se marier avant de partir. Car également, c'était une porte de retour pour beaucoup. Ils se sont dit, je pars faire ma hijra. En tête, il est vraiment, on va dire, éprouvé par l'idée de se marier. Donc, il part à l'étranger. Et là, au bout d'un moment, il ne patiente plus. Il se dit, il faut que je me marie. Donc, il retourne au pays de Kouf. Et là, il se marie. Et très peu sont repartis par la suite. Et en même temps, tu ne sais pas si la femme avec qui tu vas te marier va patienter avec toi. Car beaucoup de gens, quand tu veux quelque chose au début, dans les conditions, par exemple, tu dis à une sœur, je vais me marier, je vais faire la hijra, elle va te dire oui, si tu lui plais. Ou le contraire, une sœur va dire à un frère, je vais me marier, je vais faire la hijra, donc tu me suis, si jamais, plutôt, tu m'emmènes, si jamais on se marie, il dit oui. Et au final, ils ne remplissent pas leurs conditions par la suite. Donc je conseille à ceux qui sont célibataires, d'accord, de faire en sorte, si tant qu'ils le peuvent, de chercher au maximum une femme avant de partir, qui les suive, qui soit pour eux un soutien et non pas un frein. Ensuite, également pour les femmes qui sont célibataires, les femmes c'est encore plus facile. Quand une femme veut se marier, en général, ça lui est plus facile que pour un homme. En général. Donc on leur conseille également, même si la hijra, il y a ijma, unanimité que la femme seule puisse voyager sans mahram pour la hijra, on ne l'encourage pas à partir si ce n'est pour se rendre vers un lieu où elle sera accueillie par des gens qu'elle connaît, de confiance, fiables. D'accord? Et qu'elle mette une niya de se marier par la suite également, une fois arrivée là-bas. Car il ne faut pas que, comme des sœurs, elles font malheureusement, elles se disent, je suis muhajira, je pars seule, sans mahram, et elle arrive dans un pays, et là devient une charge pour les autres. Dès qu'elle a un problème, elle demande au mari de la sœur, est-ce que ton mari peut faire ça pour moi? Ou est-ce que l'un peut faire ça pour moi? Et ainsi de suite. Et à côté de ça, elle dit, moi, je ne me marie pas pour l'instant, je fais ma vie. On dit, mawa kaza. Si jamais tu ne te maries pas, tu vas devenir une charge pour les autres. Et les gens vont peut-être t'aider à contre-cœur par là, si tu n'auras pas de baraka.
Donc les sœurs qui avaient dans leur niya de se marier. Et ce mode de vie, comme les occidentaux l'enseignent à nos sœurs, une seule, en islam, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Surtout les frères et les sœurs qui viennent d'Occident, elles ont beaucoup ce genre d'idées en tête. Je fais ma vie toute seule. Wallah, en islam, ce n'est pas une fierté. Il n'y a aucun verset, aucun hadith qui montre une femme qui se débrouille toute seule. À la base, la femme, elle est à la charge de sa famille, son père, son grand frère, ses oncles, ainsi de suite, et par à son mari. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a décrété dans son livre et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Aussi, j'ajoute que celui qui part reste discret dans ses projets de départ. Il y a un hadith qui est venu, mais le hadith, il est fi kalam. Il n'y a pas d'unanimité quant à sa authenticité. Je sais que Cheikh Al-Albani lui l'a rendu hassan. Quoi qu'il en soit, le fait que celui qui à des projets qui restent discrets, qui n'en parlent à personne. Car il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont des cœurs malades, qui ont de la jalousie, et qui n'aiment pas voir les gens faire mieux que eux. Et il y a des gens, la hijra, ils en parlent, mais ils n'ont pas l'intention de la faire réellement. Et quand ils entendent un frère qui veut partir, tu les vois tout de suite, attention, arrive, ouais, mais là-bas, il faut que tu saches que, attention, c'est pas comme tu crois, et un tas de conseils qui fait peur à la personne, et combien ont abandonné à cause de cela, à cause d'eux. Mauvais conseils prodigués par leur entourage. Certains ont une bonne niya à vouloir t'aider, mais ils sont maladroits. Ils se trompent, ils sont ignorants. Et d'autres ont la niya de quoi? De ne pas aimer, par exemple, voir, t'en as certains, ils ont dans la salafia des années. Et un frère vient de se repentir ou vient de se convertir, il est motivé, il veut agir, il le freine. On dit, taqullah fi anfusikum. Wallah, taqullah fi anfusikum. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sanna fi l'islam sunnatan sayyatan. تمام فيحملوا اوزاره واظر يعني من ضل عن سبيل الله ومن سن سنته في المعنى celui qui en islam fait une mauvaise tradition il aura son péché à lui et portera une partie du fardeau de ceux qui l'auront suivi en cela et le contraire celui qui fait une bonne niya donc vous qui avez abandonné ou qui n'êtes pas motivé ou qui n'avez pas été vous n'avez pas été moins fakin pour le faire ne freinez pas les autres au contraire encouragez-les. Donc attention, reste discret car il y a des gens qui sont jaloux, et des gens qui sont maladroits, et des gens qui sont ignorants, et qui ne vont pas t'aider à accomplir ton projet. Donc reste discret et n'en parle que vraiment à ceux que tu vois qui sont un soutien pour toi, quand même, quitte à appeler des ulama, des machaires, demander des conseils par rapport à cela. Reste discret dans ton projet. Taïeb. Thumma, mettons en tête qu'en partant là où tu veux arriver, on est en 1440. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. Qu'il n'y a pas une époque sans que celle qui soit après soit pire que celle qui l'a précédée. Donc ne t'attends pas à trouver les Ansar en arrivant dans le pays d'islam. Tout comme toi, tu n'es pas un Mouhajir des Mouhajirs de l'époque. Tu vas dans un pays, tu vas trouver beaucoup de choses qui vont te décevoir. Ça, il faut se mettre en tête. Ne t'attends pas à trouver des gens qui vont te dire je divorce une de mes femmes, je t'en donne une. Je te donne la moitié de mes biens. Tu ne vas pas trouver cela. Ni chez les salafis, et encore moins chez les awam, qui sont les biens plus nombreux. Donc attends-toi à être éprouvé une fois arrivé sur place. D'accord ? Et c'est pour ça que tu vas dire, comme a dit Ibrahim, quand il a hasbi Allah wa ni'mal wakil. Il a dit, Allah est mon seul garant, ou plutôt, Allah me suffit, il est mon seul garant. Tu t'en remets Allah Azza wa Jal pleinement. Et n'attends pas non plus, ne pars pas avec une IA que les gens t'aident. Ne pars pas avec une IA qu'une fois que tu es arrivé là-bas, je veux que les gens y m'aident. D'accord ? Bien qu'à la base, il revient ou il incombe à tes frères de t'aider, mais toi, ne pars pas en disant les frères vont m'aider là-bas. Pourquoi ? Car si jamais tu vas là-bas et qu'ils ne t'aident pas, que tu ne trouves pas ce que tu recherches, tu vas être déçu et tu vas te mettre à les critiquer durement. Ce qui pourra amener un conflit entre toi et eux. Et à la base, le Sahaba, le Nabi sallam, a toujours appris aux gens à ne rien demander à personne. À tel point que, lorsque le Nabi sallam enseignait cela à ce Sahaba, lorsque le bâton de l'un d'entre eux tombait par terre, il ne demandait à personne de le ramasser pour eux. Donc, tant que tu es en mesure de te débrouiller tout seul, fais-le. Quand j'ai dit de ne pas attendre d'aide, c'est-à-dire de ne pas attendre parce que les gens te donnent de l'argent, ou que les gens, par exemple, tu veux faire une maison, ils vont
construire avec toi ou quoi, non. Maintenant, l'aide que tu peux recevoir qui est obligatoire, c'est Diyafa. Lorsque tu arrives quelque part, tu es nouveau, tu as le haq de la Diyafa, 3 jours. D'accord? 3 jours. Et en même temps, une fois que tu arrives chez les gens qui t'accueillent, ne sois pas une charge pour eux. Maintenant, si c'est un frère proche, tu sais que ça lui fait plaisir. Il y a des frères, alhamdoulilah, ils aiment cela. Il y a des frères, ils ont du khayr en eux, ils aiment cela. Et tu en as d'autres, il se peut qu'ils soient dans la gêne, tu t'en rends pas compte, et tu t'imposes sur eux. Parce qu'il n'a pas les moyens, ou sa maison, elle est petite, ou il a beaucoup d'occupations, ou des problèmes peut-être avec sa famille à ce moment-là. Il faut se faire discret. Et ne pas être un poids sur les gens. D'accord? Il t'héberge 3 jours, et ce qui est par la suite, si jamais il le fait de lui-même, c'est une sadaqa pour lui. Mais si jamais il ne peut plus par la suite, ne lui en veut pas. Ne pas lui en vouloir. Tout comme on encourage aux frères qui accueillent les frères de s'efforcer autant que possible à leur donner. Kama kana yaqul ahad salaf, finisba-t-il à diyafa par rapport à l'invitation, il dit El ajru alayya awli wa rizquhu ala Allah. Il dit je n'ai que du bien à accueillir un invité. Car la récompense me revient à moi et son risque revient à Allah Azzawajal. Ça ne va rien réduire de ce que tu as en réalité. En apparence, tu vas croire que tu as moins de réserves et Allah va te le rendre tout cela. Et peut-être même en multiple. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anfiqou yunfaq alaykoum. Dépensez, il sera dépensé pour vous. Donc ne pas avoir peur. Mais toi, en tant que muhajir qui part, ne te base pas sur l'aide des gens en soi. Car des gens sont partis en espérant trouver de l'aide, ils n'ont pas trouvé cette aide-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont revenus en arrière. Alors qu'à la base, ta hijra, c'est ton adoration à toi, pas celle des autres. Pas celle des autres. Taïeb. Donc quand tu viens là-bas, d'accord, il y a une ibara qui dit chez les Arabes, Ya gharib kun adib. Ô l'étranger, comporte-toi bien. Car tu vas arriver en un lieu, tu n'es pas chez toi. D'accord? Tu seras un étranger, tu n'es pas chez toi à la base. Donc comporte-toi bien, sois discret. Ne te fais pas remarquer. Et ne sois pas une source de problème pour les autres. D'accord? Et c'est à toi de t'adapter aux gens et non pas à eux de s'adapter à toi. C'est à toi de suivre le rythme et non pas eux de suivre le tien. C'est à toi de t'adapter au mode de vie du lieu où tu te trouves et non pas au mode de vie de changer pour toi et tes désirs. Tu vas arriver à un lieu, il y aura des nouvelles nourritures, un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de s'habiller. Plein de choses nouvelles. Ça sera à toi de faire l'effort de t'adapter. Donc ne pas arriver chez les gens et dire je veux, pourquoi, comment, je ne comprends pas, il ne faut pas. Non, toi tu écoutes, d'accord? Et tout ce qui ne s'oppose pas au kitab et la sunna, tu t'y adaptes. Car fi dinina al-urf murtabar. Les coutumes, il faut que tu en comptes. Quand des coutumes ne sont pas en opposition au livre et la sunna, parmi les corvées des fiqhiyya, c'est que lorsque tu vas quelque part, les coutumes des gens sont prises en compte. Donc c'est à toi d'arriver et de t'adapter à leurs coutumes et ne pas avec tes coutumes de France, je ne sais où, et de vouloir les imposer aux gens. Car tu vas trouver des coutumes qui diffèrent des tiennes. Un rythme qui n'est pas le tien. Donc c'est à toi de suivre. D'accord? Et non pas à toi de t'imposer sur les gens. Car ça ne va pas passer. Tu vas te mettre les frères à dos. Et là, ça va passer par divergence. Et ça, c'est une grosse cause pour que tu repartes par la suite. Et ça, c'est qu'on saute à personne. À la base, qu'ils partent. Donc, comment on dit Ya ghalib kun adib. Toi, l'étranger, comporte-toi bien. Sois discret là où tu vas et adapte-toi. Kazalik, ce que leur conseille de faire, point très important, une fois arrivé dans le pays, mets-toi en règle et sois clair et limpide avec les autorités en place. Ne te rends pas suspect. Ne te rends pas louche à leurs yeux. Car cela peut être une cause pour qu'ils te renvoient. Et que les frères même autour de toi, pour ne pas avoir de problème, t'évitent. Sois wadih, sois clair. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais en Égypte. Une erreur que beaucoup de frères ont faite. On sortait d'un Jumu'ah, ou je ne sais plus, Tarawih, je ne me rappelle plus trop, ça fait longtemps. Et de là, un homme, un policier, nous a appelés au loin pour qu'on vienne vers lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des frères, ils sont tous mis à courir, chacun dans son côté. Khata kabir. Wallahi khata kabir. Il va dire quoi le policier? Je les appelle, ils sauvent. C'est-à-dire que ces gens-là ont quelque chose à se reprocher. Le lendemain, on a tous été convoqués au poste de police. Tous avec les passeports. Pourquoi? Le policier t'appelle, va le voir. Ma fiché.
Tu vas le voir, tu es en règle, tu demandes ton passeport, il te pose des questions, tu lui réponds, tu n'as pas à avoir peur. C'est en faisant ce genre d'acte que tu vas devenir suspect à leurs yeux. Toi et tout ton entourage. Car dans les pays d'islam, ils ne rigolent pas avec ça. Quand un, ils en attrapent un, ils visent tous les autres qui sont avec lui. Et ça, c'est normal. Les machos la règle, elle m'a la din khalili. Que l'homme est su la religion de son ami. Ça, ils le connaissent, ça. Donc, ils vont enquêter les gens qui t'ont fait venir, les gens du pays, ils vont avoir des problèmes. D'où tu le connais? Pourquoi il est venu chez toi? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et ainsi de suite, un tas de questions. Donc, toi, quand tu viens, sois clair. D'accord? Si on te convoque, tu viens. On te pose des questions, tu réponds. Tu peux avoir des papiers, être à règle, être à jour, fais-le. D'accord? Fais-le tant que tu peux le faire. Quitte à ce que ça prenne du temps, ça prenne de l'argent, fais-le, ce sera un repos par la suite. Non. Aussi, fonds-toi dans la masse. Comme on le dit, ne te fais pas remarquer. Essaie de t'habiller comme les gens du pays. Ne viens pas avec des choses nouvelles que personne ne voit. Tu viens avec des vêtements qui brillent, qu'eux ne connaissent pas à la base. Tu vas te faire remarquer aussitôt. Déjà, tu peux te prendre un haïn, d'une part. D'autre part, tout le monde va te connaître. Hein, l'autre avec les chaussures comme ça, là. Ou l'autre qui porte des camises comme ça. Wallah, les gens du pays voient tout de suite cela. Tu viens avec une chose avec laquelle ils n'ont pas été habitués ou qui ne correspond pas au lieu. Il y en avait un, là, El Hami, à Hadramaut, là où j'étais. Un yéménite, hein, ce n'est pas un étranger. Un yéménite du Nord qui est venu. Il est venu s'installer à El Hami, à Hadramaut, dans le Sud. Les gens du pays, tout de suite, sont venus voir les gens pour dire pourquoi lui, il porte des camises comme ça. Tout de suite. Parce qu'il y avait des camises d'une matière transpirante. Et au Hami, là où on est, il y a beaucoup d'humidité, les gens transpirent beaucoup. Personne ne pense cela. Donc déjà, il est arrivé en tant qu'étranger, en tant que personne du Nord, d'accord. Et ils avaient en eux encore ce côté un peu xénophobe, malheureusement. Et en plus de cela, rien que par son camis, les gens parlaient sur lui. Donc toi, fais en sorte qu'il n'y ait pas de calem qui vienne sur toi. Même si c'est une chose qui est permise, évite. Wallah, évite. C'est mieux pour toi. Car les gens vont parler, ça ne va pas te plaire. Tu dis, pourquoi ils parlent sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mawal haram. Même si ce n'est pas haram sur toi, adapte-toi à leur mode de vie. Autant que possible. Comme on dit bien, autant que possible. Les femmes, elles viennent dans un pays où toutes les femmes sont en noir, elles ne viennent pas habillées en gris ou en vert. Hakadhalik. Être habillé en noir, ce n'est pas une obligation. Tu t'adaptes au lieu. À des mèches, des sœurs venaient des fois, nouvelles, étrangères. Elles venaient avec leur jilbeb du pays étranger. On te dit, ce jilbeb-là, c'est permis. Mais là, tu es dans un pays, dans un lieu avec des coutumes auxquelles on s'adapte tous, ne viens pas te faire remarquer et t'y opposer, alors que cela est évitable. Range ton jilbeb et achète-toi un jilbeb parmi ceux que portent les femmes du pays. C'est beaucoup mieux pour toi. Et malheureusement, ceux qui n'écoutaient pas le conseil, on voyait par la suite que des problèmes. Ils avaient que des problèmes par la suite. Malheureusement. Naam. Taïe. Parmi les conseils qu'on donne, quand tu vas arriver, tu vas avoir des choses, comme je dis, nouvelles. Un comportement nouveau que tu ne connaissais pas. Même des comportements outranciers. Par exemple, quand je suis arrivé en Égypte, nous on arrivait en France, c'est l'esprit organisé, c'est l'ordre, on arrivait là-bas, la queue, tout le monde passe devant toi. Toi tu te mets derrière, machallah, t'attends ton tour, et tout le monde passe devant toi. T'es là comme un piqué et tu te dis, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et bien à ce moment-là, toi, patiente. Voilà, patiente. Taper une crise, se mettre en colère et se faire remarquer, ça va rien t'apporter. Conseil, d'accord, conseil. Bihudo, Wasakina, d'accord. Mais taper ta révolte et te mettre à crier, tu vas te faire remarquer et te faire mal voir. On ne te dit pas que tu fais sur le haram. Si tu vois une chose qui est haram, tu peux la conseiller là. Tu ne peux pas le faire toi, tu ne parles pas la langue par exemple du pays ou quoi. Envoie quelqu'un pour parler telle et telle chose. Mais surtout, reste calme. Comme on dit, ne te fais pas remarquer tant que cela t'est possible. Et tu verras des choses, comme je l'expliquais, qui ne sont pas dans tes habitudes. Et qui vont te décevoir. Donc mets-toi en tête d'arriver et sois prêt quand même à affronter cela. Donc les gens viennent des fois dans des pays, ils se disent, regarde ici, ils font ci, ici ils sont sales, ici ils sont comme ci, ils sont comme ça. Naam, dis-toi bien que tu as patienté peut-être pendant 20 ans ou plus dans un pays de mécréants, avec les pires des fawahish devant tes yeux, et tu arrives dans un pays d'islam, et aussitôt tu ne supportes pas. Et Shaitan va venir, il va arriver, il va se montrer tous les défauts. Que là, ça sent mauvais. Là, il y a des poubelles par terre. Là, un télé crache par terre. L'autre, il fait ceci. L'autre, il fait cela. Et ainsi de suite. Tous les défauts, il va te montrer pourquoi pour te faire fuir et partir. Là, toi, patiente. Car même si ces défauts-là sont présents,
D'accord? L'islam, il reste présent également. Le fond, al-iman mawjoud. Et tu le verras, ana uqsim billah, wallah al-azim, que ces gens-là, dans les pays d'islam, si jamais ils t'aiment, te font confiance, et t'apprécient, et pensent bien de toi, tu verras d'eux des arja'ib. Un ta'awun, comme tu n'en as jamais vu ailleurs. Et ça, je l'ai vu, et des gens l'ont vu. Même ici, nous, au Yémen, on a vu des choses, après toutes les épreuves qu'on a vécues, de la part du gouvernement yéménite. Des choses que je pense qu'aucun pays n'a jamais fait pour personne parmi les étrangers. Une rahma envers nous, et une clémence envers nous. On est dans une situation telle que normalement, dans d'autres pays, on serait en prison, déjà évacué et expulsé. Ici, non. Quand même, l'inna Allah azza wa jalla fasbiru fa inna Allah ma'a sabirin. Patientez Allah avec les patients. Ou à barre de l'usr, l'usr, après la difficulté, la facilité. Il faut patienter. Et les fruits apparaîtront après. Quand tu plantes un arbre et tu mets la graine, il faut d'abord que l'arbuste sorte, après que le tronc pousse, après que les branches sortent, après que les feuilles apparaissent, après que le fruit vienne. Et même le fruit au début, quand il vient, il n'est pas mûr. Il faut attendre un temps. Il faut attendre un temps. Ne pas précipiter les choses. Comme a déjà fait le Coran d'Al-Fiqhiyya, man ajalashay ukiba yani husulu. Celui qui précipite les choses, au final, il en sera privé. Donc laisse les choses se faire. Et toi, crois au Qadar. Et la patience, c'est un pilier vecteur dans ce même-là. Tawakkul, comme vous le savez, la patience. Et la patience. Donc quand tu viens quelque part, ne viens pas te mettre à critiquer les gens du pays. Ce sont des ceci, ce sont des cela. Ils ont leurs défauts, mais là, chèque. D'accord? Mais toi, tu les tiens également. Et il se peut que toi, tu aies un savoir qu'il n'est pas. Le jahil, il ne faut pas sauter sur lui. Le ammi, on ne va pas se comporter avec un ammi, on va se comporter avec un shaykh, salafi, mathalem. T'es des awam. Ils ne connaissent pas plein de choses que tu as appris, alhamdoulilah ta'ala. Donc montre-leur, justement. Parce qu'ils vont dire, regardez, le barbu, il débarque chez nous, et il fait le bazar. Donc qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Tu vas être, toi, une cause de ta'am fi da'wa. Tu vas salir la da'wa à leurs yeux. Et en plus de cela, tu vas être une porte fermée, tu vas être une cause de, qu'on va fermer les portes pour ceux qui vont venir derrière toi. Donc sois un bon exemple pour qu'on facilite la venue des autres derrière toi. Car si tu es quelque part et que tu seras bien accueilli, d'autres frères, ils vont entendre, ils vont venir aussi par la suite. Donc fais en sorte de leur faciliter la route. Sois pour eux une cause de bien, non, une porte de bien, non pas une porte de mal. Soit pour une porte de bien, une porte de mal. Un frère peut arriver à cause de lui, il kharab kul le shay, et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les portes à tout le monde. Ils te prennent comme cliché. Barbu, kamis, nifsusak, quand même, kofia ou imama, tout de suite, khalas. Ils te cataloguent, tout ce qui est dans ton moule, ils le rejettent. Et vous savez également que les koufars font une propagande sur nous, elle est immense, elle est énorme, pour salir les salafis, pour faire peur aux gens. Donc viens toi et rassure-les, ne leur fais pas peur. Ne rajoute pas, comme on dit, ne jette pas de l'huile sur le feu. Ne sois pas un mauvais exemple, car les gens ne font pas attention, ils ne vont pas chercher à se dire c'est lui qui est comme ça. Ils vont dire, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Donc là, c'était les points que je voulais citer également. Ne te mets pas en tête, ne compte pas, par exemple, tu vas venir avec une somme d'argent avec toi, sûrement. Ne te mets pas à compter comme tu comptes en France. Par exemple, tu vois les choses, elles ne sont pas chères. Tu vois, c'est pas cher ici. Et là, tu vas tomber dans le piège, comme on est tous connus au début, tu vas dépenser, tout ton argent va partir. Tu ne dois même pas t'en rendre compte. Ne pense pas comme tu penses en France, mais pense comme pensent les gens du pays. Vois comment ils vivent. Essaie de manger comme ils mangent, tant que cela t'est possible. Ne viens pas arriver dans un pays étranger et tu veux vivre à la française. Si jamais cela est présent et possible, mais si jamais tu vois que ça va te coûter cher, ou tu amènes à des problèmes, ou des fitness, par exemple, je ne sais pas, pour acheter tel produit, tu veux tel produit, il faut que tu aies je ne sais où, perdre ton temps, et tu te trouves dans les fitness. Évite-le. Prends ce qui est à côté de toi, à proximité. Tant que tu peux le faire. Ça, c'est un truc dans lequel on tombe beaucoup au début aujourd'hui, quand on arrive dans un pays d'islam. D'accord? On veut rechercher nos produits à nous. S'ils sont à proximité, prends-les. S'ils sont loin et que tu t'exposes à des problèmes, tant que tu peux éviter, évite et patiente. Car au bout d'un moment, tu ne vivras plus de la sorte. Tu ne vivras plus de la sorte. Maintenant, de temps en temps, tu auras toujours un plaisir, des choses que tu vas trouver, que tu connaissais auparavant, que tu aimais, tu vas les trouver. Et il se peut que tu ne les trouves plus jamais. Les choses sur le Yémen, depuis qu'on a quitté la France, on ne les a plus jamais retrouvées. Alhamdoulilah, on s'en est passé, on a trouvé autre chose à la place. Et ton âme,
Ton nerf va s'habituer. Inch'Allah ta'ala, va s'habituer. Au début, ça va peut-être te paraître repoussant. D'accord ? Tu dis, je ne connais pas ça. Qu'est-ce que c'est cette chose-là ? Après, tu vas t'habituer, bizna ta'ala. Kazalik, si jamais là, je parle de quelqu'un qui vit dans un pays qui n'est pas le sien, bien évidemment. Maintenant, celui qui parle en Algérie, qui est en Algérie, il connaît l'Algérie. Je parle de quelqu'un qui va dans un pays qui n'est pas le sien, qui ne connaît pas. Maintenant, il y a des gens, ils se rendent dans des lieux qu'ils connaissent. Ils ont déjà été plusieurs fois auparavant. C'est leur pays d'origine. Ils connaissent. Là, c'est autre chose. Moi, je te parle de quelqu'un qui est étranger dans un pays qu'il ne connaît pas. Il se peut que tu sois un Algérien. Tu vas en Algérie, tu n'as jamais été auparavant, tu veux être un étranger pour eux. Pour eux, ils veulent dire que tu es un Parisien, toi. Ça, c'est marlouf. Celui qui est d'un pays qui a vécu dans autre que son pays d'origine, quand il s'y rend, les gens du pays d'origine le considèrent comme étant du pays d'où il vient. Donc tu vas trouver des bons amalates. Aussi, chose importante, quand tu viens, cherche des douros. Un lieu où il y a des douros auprès de gens fiables. Si jamais tu arrives à trouver un temps, même si tu travailles, tu es occupé, trouver un temps après le Fajr jusqu'au Shuluk, de prendre le Coran, le Mushaf, et de mémoriser si tu peux, de le lire, de réviser. Et tu peux trouver entre le Maghrib et le Isha, كذلك, te poser, Wallah Sinir Ma'azima. Ce peu-là que tu arrives à trouver, du Fajr au Shuluk, au lever du soleil, tu restes au Masjid, tu lis du Coran. Et si jamais tu as également l'occasion du Maghrib ou Isha, hadi ni'ma azima. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al baraka fi bukurikum. Que Allah a mis la baraka dont, on va dire, pour ceux, comme ils disent les koufars, pour ceux qui se lèvent tôt. Et vous verrez que les gens des pays qui sont bien posés sont des gens qui se lèvent tôt. Très tôt, et après ils font leur vie. Ils l'ont compris ça. Même les koufars le disent, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est une qaïda, elle est universelle. C'est une chose qui a été constatée par les musulmans, nous par les adillah, par les koufars, par la tajriba, par l'expérience. Ils l'ont vu. Celui qui se lève tôt, il arrive à tôt. Et celui qui se lève tard, ou qui traîne, d'ailleurs la sunna, c'est après l'Isha, c'est de dormir tôt. Et de ne pas discuter, sauf s'il y a une haja. Il y a des ulama, ils comparent, regarde la baraka qui est entre les chiens et les moutons, les bovins. Ils disent, les chiens sont une umma. Ils sont combien les chiens? Ils sont extrêmement nombreux. Et regarde les moutons et les bovins. Le nombre qu'ils sont, tout ce qu'on a comme sacrifice à faire par Aqiqa, pour le Eid, d'accord? Pour la Diafa, pour inviter les gens, et autres. Et malgré cela, regarde, ils ne se cessent de se multiplier. Des troupeaux et des troupeaux et des troupeaux. Et regarde les chiens, combien ils sont les chiens. Les chiens, quand une femelle, elle porte, elle est pleine, elle peut faire une portée de 5, 6, 7, je ne sais combien de chiots. Le mouton, non. Le mouton, non. Quand une femelle, elle porte, elle en porte un seul, de ce que je sais, en général. Et regardez pour toi combien sont les moutons, combien sont nombreux, combien sont les chiens. Des relais, ils ont dit quoi? Regardez les chiens, comment ils vivent. Je parle dans les pays où pas, comme ici par exemple, où les chiens sont en liberté dans la rue, parce qu'en France, il n'y a pas ça, ils sont dans les domiciles, mais où il y a des hordes de chiens, toute la nuit, ils aboient. Toute la nuit, le chien, il aboie, il aboie, il aboie. Au matin, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Le mouton, toute la nuit, il dort, et au lever du soleil, il se lève. Il y a une baraka dans cette umma, qui est celle des moutons, qui font qu'ils sont extrêmement nombreux. Et regardez bien, combien il y a de muslimounes sur Terre. Et à chaque ride, combien on égorge. Et ça ne s'arrête pas pourtant. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anel ghanam fi baraka, comme a dit le hadith Hani, il lui a dit, takhizul ghanam fa inna fiha baraka. Prends les bovins, car il y a une baraka dans les bovins. Ou au vin, afouane, je ne sais plus. En fait, je parle des moutons, tout ce qui est moutons et chèvres, et voilà. Quoi. Je crois que c'est les ovins, afouane. En fait, on s'est compris, quoi. Donc là, c'était quelques nasaïhs que je voulais donner. On peut en donner plein encore. D'accord? On peut en donner plein encore. Mais c'est ça pour les premiers pas. Quand quelqu'un vient d'arriver quelque part. Pour que ça se passe le mieux possible. Après, on croit au qadar. Il se passe des choses malgré nous qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas cherché. Et qu'Allah, il a qadar pour nous. Après, ça arrive. Qadarama. Qadarallahu ma sha fa'al. Qadarallahu wa ma sha fa'al. Ça, voilà. Mais on parle des causes qui sont à ta portée, que tu es en mesure de faire.
fais-les, bizna ta'ala. Et yom el qiyama, tu pourras dire, Rabbi, tu auras un argument pour pouvoir te défendre yom el qiyama en disant que j'ai fait en sorte que ça se passe bien pour moi, autant que possible. Naam. Donc j'espère que cette nasiha a été, ou plutôt cette nasiha, seront profitables pour mes frères, même pour les sœurs qui les écoutent. Et bien d'accord, naktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je tiens à préciser que tous ces conseils que je donnais là, actuellement dans cet audio-là, dans ce qui amène à retarder l'hijra, bien évidemment, ce n'est pas une chose qui... je n'appelle pas à retarder l'hijra à un temps indéfini. Ce sont des choses qui doivent se faire rapidement. Quand je précise. Car l'hijra, à la base, c'est une chose qui est obligatoire. Et ce qui est obligatoire, à la base, dans le soulfir, c'est à faire immédiatement. Donc là, c'est juste pour éviter, on va dire, un plus grand mal de revenir pour une chose, une cause qui aurait pu être faite auparavant, au préalable. Donc je précise bien que ce que j'ai, ce à quoi je... C'est juste une chose qui amènerait à retarder légèrement. D'accord ? Pour le mariage, pour aller faire les papiers, ou s'il y a des soins médicaux à faire, ou autre. Ce sont des choses juste pour partir sur une meilleure base et couper court à tout ce bête qui pourrait ramener la personne de là où il est venu. Naam, wa alhamdulillah.